Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Stalker 2 sur Xbox Series X. Alors on est en mode performance parce que bon, Dragon Age, j'y joue en mode qualité, je suis resté en mode qualité et on va dire que finalement je m'y suis fait, ça me gêne pas trop d'être bloqué à 30 images secondes au vu de la différence visuelle qu'il y a dans les deux modes. Là c'est un FPS, je vous avoue. Non, je préfère perdre en qualité et en résolution, en qualité et jouer à 60 images secondes. Donc, Stalker 2. On a bien cru qu'il arriverait jamais, tellement le 1 est sorti il y a longtemps, le 1, et puis les autres versions, après, je sais plus si c'était des extensions ou vraiment d'autres jeux, je me rappelle plus. Mais en plus, studio ukrainien, donc avec la guerre, ils ont dû à un moment donné s'arrêter, déménager. Je me demande bien s'il n'y a pas des membres du studio qui sont partis faire la guerre aussi. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais lu ça. Qu'est-ce qu'on va... On va mettre le mode au milieu, hein. On va pas faire les idiots non plus. Surtout que c'est une vidéo découverte. Donc ça a été compliqué. On va voir ce que donne cette version Xbox Series X. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui, mais alors chez moi. Alors, il caille à mort dehors. Et je suis rentré du boulot. Bah, il y a de la neige partout en fait. C'est un truc de ouf. Bon. Allons-y, hein. Commence bien. Je crois qu'on est sur un jeu, en tout cas au début. J'ai regardé vite fait une vidéo, j'ai regardé que 5 minutes. C'est assez sombre. Je vous reprends après la cinématique. If a powerful emission were to occur, we listen. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or Circa for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. City officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Alive back there? Yeah, I'm okay. Zone is really raging today. See that? It was a hell of a blast. Can't remember one. So fierce. Are we close? Kind of. Central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. Crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way.
If it was outside the zone for too long, it would have lost its anomalous energy. But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation, and we have a gold mine here. Sector 9, visual detection of the vault. I say again, Sector 9, visual detection of the vault. Show me what you found. What the hell is this? I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast. But this one? This one is not from the zone. Oh, I bet. Where'd you find it? In my laundry basket. Who do you think you're talking to, huh? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you flush it down the shitter! This stone owes me a new home. We gotta move. Get to the scientist's bunker. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you. Good luck. Cimer Weber, comme on dit. Bon, allez. On joue ou toujours pas? Je sens qu'on va croiser des dingueries dès le début, je sais pas pourquoi, je... Bon, j'espère que vous allez bien voir, que la capture va être fluide, que ça va aller. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, entre les jeux qui veulent pas se lancer, les captures qui déconnent et machin, j'en ai un petit peu ras-le-bol et par moments, je suis un peu découragé. On va pas se mentir, avec les journées de boulot que je me tape. Ah, vous allez peut-être entendre miauler. Quoique non, je vous dis ça, mais avec ce micro-là, non. Vous allez pas entendre. Alors, ramasser. Après, on a une roue, ok, avec un couteau. Qu'est-ce qu'on peut... Là, il n'y a pas grand-chose à récupérer par là. Je regarde en même temps. Quand vous me voyez regarder sur le côté comme ça, c'est parce que je regarde la capture en même temps. Le retour. Pour ça, des moments, j'ai l'air de pas lire les sous-titres ou de pas regarder. Mais en fait, je regarde sur l'autre écran à côté. Donc, et c'est totalement lisible et tout de là. Donc là... Oh putain. J'ai réussi à rater la porte quand même. Enfin, rater le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah... Ça a tué le mec là-bas, donc il faut que je passe là, mais ça a quand même tué le mec là-bas. Est-ce qu'on peut faire tout prendre directement? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des soins, là, on dirait. Bon, évidemment, l'ambiance et tout, c'est pas gay, hein. Vous doutez bien. Un kit médical, rapidement. Bah là, on n'a pas besoin pour le moment.
me méfie quand même, hein, je regarde des deux côtés. Hein. On va aller par là. J'espère qu'on va pas... ouvrir un inventaire, ok. Est-ce qu'on peut mettre ça... ici. C'est quoi ça? Boisson énergisante, restaure l'endurance. Augmente la faim, faible, ok. Parce qu'il va falloir gérer aussi la faim, il va falloir gérer plein de choses. Il n'y a pas une touche pour changer rapidement d'arme, ouais, si, quand même. Attendez, on va faire un truc, parce que là... si jamais j'ai besoin de tirer... j'ai mon machin, mon compteur, là, qui s'affole un peu. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai eu peur, je m'y attendais pas. Tu as niqué ta mère. Tu vas mourir. Oh la vache. Là je me suis fait péter par les... par les radiations. Par contre. Puis j'ai flingué beaucoup de balles. Il y a une maison là. Putain, il m'a fait peur en plus, cet abruti là. Oh. Parce que c'est aussi un peu un jeu de survie. Hein. Par contre, là c'est la carte, ok. Comment je peux faire pour soigner les radiations? Ah, anti-radiation. Parce que là, en fait, je suis en train de perdre ma vie comme un blaireau. Du coup, je suis obligé d'utiliser un kit médical. Ça va pas bien, cette affaire-là. Ramasser de la vodka. Ça peut toujours être utile. Hein, bien sûr. Oh putain. Il y a des mecs là-bas. Il y a un mec qui mitraille là-bas. Tout prendre. Moi, j'ai pas trop envie d'aller... pourquoi j'ai plus de vie encore? Il y a des gens qui mitraillent là-bas. Il y avait quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de m'approcher de cette zone ou pas? J'ai pas le choix visiblement, mais... bon, c'est assez sombre, hein. Mais ça, c'est... le jeu qui est comme ça, c'est pas de ma faute. Putain, comment je peux faire? J'allais dire, on va peut-être éviter de se foutre à l'eau. On va éviter de se foutre à l'eau, effectivement. Je suis mort comme un blaireau. En plus, au moment où j'allais dire, on va éviter de se foutre à l'eau parce qu'à mon avis, elle est pas terrible. Eh ben, j'ai pas eu le temps de vous le dire que je suis mort. Bon, bah... ça m'a sauvegardé où? J'espère que... ah ouais, c'est bon. Manger aussi, ça fait remonter aussi la vie de manger. Tout prendre.
I don't think it'll be that easy, but I'll figure it out. Ça se trouve, le gars, fallait pas que j'essaye de lui tirer dessus. Il sera peut-être pas hostile. On va rentrer, on verra bien. Hein. Ah, ils sont morts. Je pense que c'est pas très très normal. L'angoisse maintenant que j'ai là. Vous savez, en plus pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas trop les trucs qui me sautent à la gueule comme ça. On va tout ramasser. Hein. Je pense que pour l'instant, faut pas faire le difficile. Faut prendre tout ce qu'on peut ramasser, toutes les opportunités d'avoir des objets, des choses, des kits de soins, des machins. Il faut les saisir. On prend tout. On prend ça aussi. Pas moyen là d'ouvrir la porte. Où est-il le dernier? C'est par là qu'il faut que je trouve quelque chose. J'ai pris tout ce qu'il avait déjà. S'il y a quelque chose que j'ai loupé. Non, il n'a plus rien sur lui. Non, je pense que c'est pas forcément dans cette pièce-là. Là, il y a quelqu'un. Alors. The goat is dead. So are the other scientists. Dead? Oh God! We're screwed. Get out of there immediately. Stop freaking out and tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. Ouais, mais qu'est-ce qui les a tués? Pourquoi ils sont morts? Toujours la grande question qu'il faut se poser, hein. À un moment donné. Windows 98 et... Alors, je sais pas, je me rappelle plus si je voulais dire, on peut mettre les voix en ukrainien aussi, hein. In the park until now. First, find the detector. This is a mobile lab. The scientists ought to have at least one. I've already got a detector. You'll need to acquire an artifact.
yourself from the scanner's radiation. If you don't, you might end up joining Nagoda. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector's signal to navigate it. If the stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. Ouais, effectivement, ce serait un peu le merdier de se faire tuer dans l'anomalie. C'est pas vraiment comme ça que les choses sont prévues. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup ? Ah, je crois que je suis pas mal là, non ? Ah, c'est ce truc là. Des fois, je... alors soit c'est moi qui comprends rien, soit c'est pas très clair. Ah. Ça faut que je le mette où? Allez là. On se casse de là. Putain! J'avais entendu un bruit, je savais bien. Petit bâtard, va. Je vais crever encore. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, il va vite. Je pense que la vidéo va pas être très longue hein, parce que je vais crever encore et encore. Mais comme ça, vous avez compris le principe un petit peu. Parce que le but, c'est pas de crever toutes les 3 secondes. Mais ça, c'est des jeux qui sont un peu compliqués, je trouve, à faire en vidéo, parce qu'on est moins concentré, moins... Voilà. Puis, c'est des trucs... Enfin, en vidéo découverte, je veux dire. Et puis, c'est des trucs, faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Et je vous avoue que là... Bah, je sais pas trop ce que je fais, en fait. Oh ! J'ai pas eu le temps de bouger. Que je me suis fait défoncer. Une autre âme prise par la zone. Bah, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin, hein, si on n'arrive pas à passer ça. Comme ça, je vous aurais pas beaucoup spoilé. Le truc, il arrive, t'as même pas le temps de... T'as même pas le temps de bouger, en fait. C'est ça, le problème. Elle est où l'autre? Allez maintenant. T'es où petit enculé?
Allez, viens là maintenant. Je t'ai vu arriver, petit bâtard. Ils sont résistants en plus, hein. Ouais, je vais pas y arriver là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va pas aller plus loin. Pour une fois, ce sera pas une grosse vidéo. Mais j'ai pas envie de passer mon temps là. Comme ça, bon, vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Pour ceux qui se posaient la question. Je pense que la semaine prochaine, je vais regarder. Je sais pas s'il y a grand chose qui sort. Faut que je regarde parce que j'ai pas tout en tête. On fera peut-être du God Simulator. Ce sera un peu plus rigolo en termes d'ambiance. Et puis après, il y aura Indiana Jones et il y aura quelques trucs. Puis les fêtes, hein, parce que mine de rien, ça va arriver vite. Donc, et puis peut-être qu'à un moment, Flight Simulator, ça va marcher. Et peut-être qu'on pourra se faire un vol ou deux en détente. Ou peut-être que je vous ferai une petite vidéo avant les fêtes, comme je fais souvent une petite vidéo de bilan. Et peut-être que je mettrai des images de Flight Simulator, parce que ce sera des belles images. Donc, si ça fonctionne à un moment, hein. Donc écoutez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.